Oui, allons-y. Notre copain est de retour. Oh, parfait. Ouais, super. Merci encore pour le talisman. Tu en as plus besoin que moi. Mais c'est gentil quand même. Bonjour. Ah, oh, vous êtes tous là. Tu veux me protéger? Je suis trop fort pour toi. C'est pas ma faute. Mais non, mais pas lui. Bon sang. Perrine? Rien n'échappe à mon pouvoir. Merci. Je me suis trompé de touche. Encore une fois pour changer. Toi aussi, fantôme du désert. Prépare-toi au combat. Vite, repérez. Quelqu'un arrive à toucher? Bah, évidemment que non. Je vais l'avoir. Vas-y, Mérine, désingue-moi ça. Oh, le prends pas en pitié, c'est bon, quoi, il mérite pas. Oula. T'abandonnes le combat? Tu vas céder. On va pas tenir très longtemps. Tout va bien? Oui, oui, t'inquiète. Enfin, t'inquiète-toi un peu plus, hein, quand même, parce que là, je me débrouille vraiment mal. L'Empire n'a aucune idée de ce qu'il est sur le point de découvrir. Tant mieux. Ils ne doivent jamais apprendre que le passage était ici. Oui. Attends un peu, je peux faire ça? Il a pas l'air d'aller bien. Oh, mais zut, bon sang. J'ai besoin d'aide. On n'a plus de tireurs. Ça risque d'être dur. Voilà, dégagé, merci. Une impasse. On est un peu dans la merde là. Tu crois que ça va le faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu me fais confiance? Oui, bien sûr. Tu penses à quoi? Pas le temps d'expliquer. Tu me fais confiance? Oui. Oui. Bien sûr, évidemment. Oh. Oh la vache, je m'attendais pas à ça. Oh. Oh, c'est mignon. Pour tes chances. Non. Pour moi. Pour elle? Pourquoi? Dépêche-toi, fais-lui confiance. Maintenant. Bah oui, saute, fais pas le con. M'en fous, moi je saute dedans. J'y crois pas. Moi non plus. Oh non, mais c'est quoi cette merde, au secours. Mérine. Bien joué. Oh la vache, je crois vraiment que... J'arrive pas à croire ce qu'on est en train de faire, c'est un truc de dingue. Oh la vache, oh non, 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 c'est pas bon pour mon cœur tout ça. Non, je suis pas prête pour ça, mais pas du tout, j'étais pas prête pour la romance de... J'étais déjà pas prête pour la romance entre Cal et Mérine. Mais ça, c'est encore moins, bordel. C'était tout juste. Sans blague. Ce truc doit bien avoir un point faible. Oh là là, c'est la merde. Cours, cours. Réfléchis pas, cours. Désolé. Oh la vache, c'est super classe. Oh. Bien joué, Cal. Ne nous réjouissons pas trop vite. Ouais, j'avoue. Ah non, j'ai failli me tromper de touche au secours. Ah, je sais plus où aller. Tu t'amuses bien? Non. Je m'amuse pas du tout. Ah, c'est la merde.
merde! Oh non, mais je déteste ça, hein! Je on déteste ça! Comme ça. J'ai une blague! Mais j'ai besoin d'une ouverture! Oh, je déteste ça! Vous m'entendez? Je déteste ça profondément! J'espère que vous amusez bien, parce que moi, non! On ne peut plus fuir! Alors on fait face ensemble! Oh, punaise! Tu veux vraiment faire face à ça? C'est maintenant ou jamais! Oh la vache! Allez, balance tout dans la gueule, ce truc-là! Oh! Un dernier tour. Un grand, cette fois. Je te suis. Allez, hop, c'est parti! Oh la vache! Ah oui, c'est long. C'est long, c'est long. Oula, la vache! Oh, le pass... Cette scène est vraiment est inédite. Il n'y a pas les mots pour expliquer ça, c'est vraiment génial, c'est vraiment très très cool, mais... Oh la vache, mon dieu, qu'est-ce que c'est mauvais pour mon cœur, vous n'avez aucune idée. Comment t'as fait ça? Un rituel que j'ai appris en retournant sur Datomir. C'est... épuisant. Oh, blague! Ça va. Coincée dans une arme impériale implacable, Mérine embrasse Cal. J'arrive pas, Et demande de lui faire confiance. Il s'enfuit et leur relation prend désormais une... toute nouvelle tournure. Oh, moi j'adore. Franchement, c'est je trouve Allez, ça trop mignon. Apportons ces codes à serrer. Ouais, mais d'abord, tu m'excuseras. J'ai besoin. J'ai besoin de repos, nom de Dieu. T'as pas vu tout ce qu'on a dû subir là? Oh non, 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 c'est horrible. Mérine va rester dans le désert, sans blague. Ça me fait une belle jambe. Oh non, non, c'était. C'était. Il y avait plein d'émotions dans tout ça, hein. C'était waouh. Donc nous on va prendre ça comme point, hein, n'est-ce pas? Et on va pas chercher midi à 14h. Mais en tout cas, déjà le baiser entre Cal et Mérine, je m'y attendais tellement pas. C'était adorable la manière dont elle lui demandait s'il avait confiance en elle. Évidemment qu'on a confiance en elle. Et s'il n'avait pas confiance en elle, je l'aurais frappé, vous m'entendez? Mais en tout cas, waouh, c'était... Oh, c'était incroyable. Et c'était tellement what the fuck ce passage, mais au secours, c'est... Je m'y attendais tellement pas, mais ce qui s'est passé la dernière fois, c'était riche en émotions. Frôler la crise cardiaque, parce que vu tout qu'on a fait dans les airs, mais la vache, le rituel de Mérine, ça en jette, quoi, au secours. Et là, j'ai fait une pause en mode, oh, on se calme, c'est bon, c'est... C'était déjà riche en émotions de voir qu'elle l'embrasse, alors si en plus de ça vous me rajoutez un gros bazar à affronter dans les airs, que j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai juste fait des cabrioles dans les airs, voilà, simplement. Et j'en ai profité aussi pour modifier mes compétences. Je les ai réinitialisées en gros. Vu que j'utilise principalement la garde croisée et le sabre blaster, j'ai remis des points là-dedans. J'ai un peu réparti comme je pouvais. J'ai mis aussi dans survie et dans les pouvoirs de la force. J'ai longuement hésité sur certains trucs parce que je crois que ce que je vais développer... À mes prochains points, c'est la confusion. Parce que la confusion, j'essaye de l'utiliser assez souvent. Donc, à voir si je réussis à faire quelque chose. J'ai longuement hésité à prendre ces deux-là. Parce que traction implacable, ça permet d'attirer vers soi les ennemis les plus résistants à la force et les plus puissants. Mais au final, je vais faire 100. Donc, ou alors, il faut que j'économise 5 points. Voilà, tout simplement. On va voir ce que ça donne de toute manière. Hein. Écoutez, ça va pas, tant pis, on réinitialisera.
Mais j'espère que Myrine va bien. Ce rituel avait l'air épuisant, quoi. Tu m'étonnes avec toutes les cabrioles qu'on a fait. En tout cas, faut rejoindre Ciri pour lui donner les informations qu'on a récoltées. Bien joué. Tu viens? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle venait pas. Par contre, on va regarder où est-ce qu'on va, hein, cette fois-ci. On va aller par là. Donc, c'est tout droit, a priori. Hein. Comme ça ou c'est comme ça? Je sais pas, je sais jamais, donc bref. Oui, oui, pas de souci. Vous avez parlé d'un scriton doré. Il y a d'autres choses à surveiller? Si vous vous aventurez dans les montagnes les plus sombres, vous pourriez tomber sur le repère d'un Sutaban Alpha. Une vile créature. Il serait sage de garder vos distances. Et si j'y arrive pas? C'est très Jedi de votre part. Dans ce cas, je vous dirais que cette bête est rapide et féroce, bien plus que ses congénères de Baran. C'est bon à savoir. Attends. Attends, faut vraiment qu'on y aille? Mais moi, j'ai pas envie, moi, d'aller affronter ce qu'on voulez-vous contempler un trésor sacré? Ouais, mais t'es gentil, toi, mais je veux pas. Dans le désert, c'est ça? Mais où dans le désert? T'en as de bonnes, toi? Ah! Là-dedans! Mais on est d'accord que... Comment veux-tu que j'aille là-dedans, moi? Cal, BD, juste à temps. Je me suis souvenu d'un autre endroit que vous devriez explorer. Ah bon? Un autre temple? En effet. Celui-ci se trouve dans le désert sud, et il est prodigieux. Quand je m'y suis rendu, j'ai senti le poids du passé sur moi. Vous le sentirez aussi. Ça a l'air incroyable. D'accord. Oui, j'avoue. C'est ce que je pense. Même si c'était sûrement plus simple avant que l'Empire ne gagne du terrain. D'accord, on a des choses à faire ici. Baud? C'est une bien belle technologie que vous avez exhumée, Cal. Qui a pu créer ces appareils, selon vous? Des Jedi. Et ils devaient être incroyablement doués. Vous déduisez tout ça juste en le regardant? Nous mettons une grande partie de nous-mêmes dans nos machines. Elles représentent à la fois ce que nous avons de meilleur et de pire. Mais non. Tu es bien plus qu'une machine, mon ami. Mais oui, absolument. Baud? Ok, on se voit plus tard. Ok, il n'a rien à dire. Serré. On n'a pas pu sauver Armias. Il s'est sacrifié pour ça. Je suis désolé. Je sais que tu as fait de ton mieux, Cal. Et les impériaux? Ils nous ont pas suivis. Eh, l'affaire ailleurs. Content de te revoir sain et sauf. Maître Cordova, vous avez trouvé comment traverser l'abysse? Non. Mais vous peut-être, Cal. Ah bon? Et moi avons réussi à trouver des données intéressantes dans les archives. Montrez-lui ce qu'on a trouvé. Il y a des siècles, la République a établi une colonie sur Kobo pour étudier une anomalie stellaire du nom d'Abyss. Centauri Kree menait l'équipe de recherche. Ses aides à côté. Leurs premiers essais pour traverser l'Abyss furent désastreux. La République était sur le point d'abandonner le projet. Et devinez qui s'est porté volontaire pour partir seul et découvrir la planète de l'autre côté. Dagan. Grâce aux données de son voyage, Kree a inventé les compas de l'Abyss pour guider les autres vers Tanalore. La République a établi une colonie, les Jedi ont construit un temple, comme tu l'as dit, Cal. Mais cette ère de paix et de prospérité a pris fin avec l'invasion de maraudeurs de la bordure extérieure. Moi aussi, je les ai vus, mais comment ils ont franchi l'Abyss? Ils ont dû voler un compas. Mais vous en faites pas, on sera pas aussi négligents. Submergé, la République a abandonné Tanalore. Et le Conseil Jedi a ordonné à Kree de détruire les compas. Dagan Gera a refusé et s'est rebellé contre l'ordre. C'est un Jedi. Il ne s'allie pas souvent à d'autres espèces. On dirait que Revis travaillait pour Dagan depuis plus longtemps qu'on ne pensait. Donc l'ordre a envoyé des Jedi récupérer les compas. Et Dagan les a tués pour ça. Un Jedi qui tue d'autres Jedi. Sauf que... Santari a dit que Dagan était la clé de Tanalore. Peut-être que oui, jeune Jedi. Malgré mes efforts, les compas que tu as rapportés sont trop endommagés. Cependant, les rapports indiquent que 3 d'entre eux sont manquants. Quoi? Et vous pensez qu'on peut en retrouver un? Oui. Et Dagan a envoyé son armée les chercher.
Je te demanderais bien de rester nous aider. Mais je connais cet air. Quel air? L'espoir. Cette planète est un refuge pour tous ceux qui s'opposent à l'Empire. Vous seriez du voyage? Enfin, Gris pourrait aménager le Mantis, pour vous tous. Non. Oh. Cet endroit a besoin de moi. Le passage a besoin de moi. Oh, c'est triste. Mais bon, je comprends aussi. Cordova? Je suis navré, mon ami. Mais pour l'instant, ma place est sur Jeddah avec Céré. D'accord. Laissez-moi vous donner une clé de données pour accéder aux informations, où que ce voyage vous mène. Je crois qu'il est un peu déçu. Ne me dis rien. Tu restes aussi? Quand on s'est rencontrés, je croyais que ce qu'on partageait était... unique. Des survivants. Combattant ensemble contre l'Empire qui avait tué nos familles. Oui. Tu m'as aidé à comprendre que je ne suis pas seul. Et toi aussi. Mais la galaxie est pleine d'êtres vivants qui ont souffert autant que nous. Ben oui. Comme Céré l'a dit, tu l'auras peut-être trouvé un sanctuaire. Peut-être. Si on arrive là-bas. Je viens avec toi. Ah bon? En plus, ça fait une éternité que j'ai pas eu la possibilité d'agacer Grise. Oh super, Mérine est du voyage. Sœur de la nuit. Oh, c'est génial, elle vient avec nous. Le compas de l'abysse. Ah, c'est sur Kobo en plus. Un appareil inventé par Santari Cree pour naviguer dans l'abysse de Kobo. Le compas, utilise les coordonnées obtenues lors du vol à l'aveugle de Dagan Gera vers Tanalore. Le conseil Jedi a ordonné la destruction de tous les compas après l'attaque de Nihil sur Tanalore, pensant qu'ils avaient dû en voler un afin de franchir l'abysse. Et Meryn vient avec nous, c'est trop génial. La chute de Dagan Gera. Ça a dû quand même être très moche pour lui alors qu'il a tout fait pour qu'on trouve cette planète, franchement. Ah, je peux pas m'empêcher d'être un peu triste quand même pour Dagan. Mais en même temps, si c'était trop dangereux... Lorsque le conseil Jedi a ordonné l'abandon de Tanalore et de Kobo, Dagan n'a pas su l'accepter, évidemment. Malgré les protestations de Santari, il a défié le conseil. 200 ans plus tard, sa haine envers l'ordre atteint son paroxysme lorsqu'il dégaine son sabre laser en jurant d'être l'ennemi des Jedi. Bien que Céré reconnaisse le potentiel de la quête de Cal pour trouver Tanalore, elle décide de rester sur Jeddah afin de superviser les archives et de protéger les fidèles Anakoret qui la servent. C'est très serré, je trouve, de rester auprès d'eux pour les aider. Mais après, rien ne nous empêche d'être alliés et de faire chacun ce qu'on peut pour trouver un foyer pour ceux qui en ont besoin, loin de l'Empire, quoi. Ça peut être bien. Chercheur Jedi. Cordova s'avère être un chercheur avisé. Il aide le groupe à percer le mystère de Tanalore et à trouver le chemin à travers l'abysse de Kobo. Les Nihil. Je sais pas à quoi ça ressemble, ces créatures. C'est une faction de maraudeurs insaisissables et impitoyables. Ils sont devenus la plus grande menace de l'ère de la Haute République. Capables de naviguer dans l'hyperespace d'une manière que peu peuvent égaler, ils ont semé le chaos à travers la fragile frontière de la République, lançant même une contre-attaque surprise contre Tanalore. Ils ont tout gâché, quoi. C'est vraiment des... C'est vraiment des pierres de merde, quoi. Face à cet ennemi unique, le Conseil Jedi a ordonné l'abandon de Tanalore et la destruction de tous les moyens d'y parvenir, préférant concentrer leurs ressources pour repousser la menace des Nihil. Après tout ce que les Jedi ont fait pour trouver cette planète, c'est un peu du gâchis, mais bon, quelque part... Oh, c'est trop triste. Bon, bah du coup, on va retourner sur Kobo, hein, c'est moi qui vous le dis. Je sais qu'on a des choses à faire sur Jeddah, mais bon, j'ai envie de voir un peu la suite, là.